vous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 25 novembre, il est 18h24. Clairement, j'étais pas sûre de vloguer parce que je suis crevée et j'ai un mal de crâne. Comme ça, ma lèvre va beaucoup mieux, hein, clairement. Hein, voilà, donc ouais, voilà, c'est réparé. J'ai un début d'orgelet. Voilà, tout va bien chez moi. Et en fait, quand j'ai vu le commentaire, j'ai vu les commentaires sur mon vlog d'hier. Donc, merci à ceux qui ont dit que les chiens avec leur pull étaient trop mignons. Là, je leur ai retiré. Mais par contre, il fallait que je revienne sur un commentaire. Alors, je sais que le commentaire en soi n'était absolument pas méchant. Voilà, je ne critique pas. Mais la personne m'a dit, pourquoi t'en veux à ta mère? Il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas de conneries, en gros. Et après, en gros, c'était... Je vais grossir le truc. C'était en gros que qu'il fallait que j'arrête de me plaindre. En gros, j'avais qu'à faire les choses par moi-même. C'est ce que moi, j'en ai compris. C'était pas mot pour mot, mais vous avez compris. Alors, je n'en veux absolument pas à ma mère pour cette boîte. Le truc qui me fait chier, c'est les 100 euros qui étaient dedans. Alors, en gros, c'est j'aurais dû garder la boîte. Sauf que cette personne, je ne sais pas si elle est au courant, mais il y a quelques années, je le suis toujours. Ça se voit beaucoup moins maintenant, mais je suis acheteuse compulsive. Vous le voyez bien, dès que j'ai de l'argent, il faut qu'il soit dépensé. Ça, vous le voyez. Imaginez si j'ai du liquide. Voilà. Donc en fait, ma mère gardait ce fonds de caisse pour que moi, je l'aie l'année suivante. Voilà, elle le gardait. C'était pour qu'en aucun cas je l'utilise. Parce que quand on est acheteuse compulsive, le moindre argent, ça nous brûle les doigts. Clairement. Voilà. Donc c'est pour revenir là-dessus. Donc pour moi, demander de l'aide à mes parents, ce n'est pas être une gamine. C'est reconnaître que j'ai un problème. J'ai un problème avec l'argent. Je le sais très bien. Je sais très bien que j'ai un problème avec l'argent. Donc demander de l'aide à ses parents, pour moi, ce n'est pas... C'est pas méchant et je ne lui en veux pas. Donc la boîte, si elle a été jetée, elle a été jetée avec ou sans l'argent. Faut juste que je refasse un fond de caisse. C'est tout. Mais ce qui m'embête, c'est que là, c'est que c'était pas prévu dans le budget. Voilà, parce que l'argent viendrait de mon compte perso. Voilà, c'était pas du tout prévu dans le budget du mois de décembre. C'était juste ça que je voulais dire. Et ça me fait chier. C'est normal, les 80-90 euros que je dois mettre dans le fond de caisse, c'était absolument pas prévu d'être sorti de mon compte. C'est ce que je voulais dire. Alors si, pour vous, je suis apparue égoïste en accusant ma mère, ce n'est pas du tout ce que je voulais expliquer. Hein. Juste que ma mère, c'est ma mère, elle est adorable, ma mère, elle est parfaite, c'est comme mon père, mes parents sont parfaits. Personne n'est parfait, mais vous comprenez, mes parents, c'est mes parents, je les aime plus que tout au monde. Mais après, c'est vrai que ma mère a pas mal de soucis de santé. L'année a été assez compliquée, hein, clairement, émotionnellement et tout. Et je peux comprendre que ma mère ait oublié où était la boîte, ou l'ait jetée, ou voilà, par mégarde. Ce n'était en aucun cas méchant de sa part et ce n'était en aucun cas voulu. Voilà, ma mère a tendance à faire du tri par le vide. Elle a dû se dire, la boîte ne fonctionne plus, on n'a plus les clés, elle a dû l'acheter. Donc, est-ce qu'elle était vide ou non? Ça, c'est une autre histoire. Donc, je ne voulais en aucun cas paraître égoïste et accuser mes parents. Juste, attendez, vous tombez. Juste que moi, en fait, je n'ai jamais de liquide chez moi dû à mon problème d'argent. Dû à mon problème d'argent. Voilà, parce qu'en fait, si j'avais du liquide, je peux vous dire que pendant un moment, j'ai été accro aux jeux d'argent en ligne. Hein. J'étais inscrite sur le site de la Française des Jeux. J'ai été accro pendant quelques temps. Et je me dis, si j'ai de l'argent liquide, je ferais quoi? J'irais au tabac cadeau et je m'achèterais des jeux à gratter. Parce que je suis... acheteuse compulsive, j'ai le besoin d'acheter, quitte à perdre de l'argent, pour dépenser. J'ai le besoin de dépenser. Voilà.
Être acheteuse compulsive, c'est plus le besoin de dépenser que d'acheter, hein, clairement. Donc voilà. Alors c'est pour ça que quand je vais déposer des colis au Tabacado, je n'y vais jamais avec mes papiers. Comme ça, je ne prends pas mon portefeuille. Je suis sûre de ne pas dépenser. De toute façon, je regarde ma carte bleue. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent dessus. Et j'ai l'avantage de ne pas pouvoir faire de découvert. J'ai cet avantage-là. Moi, voilà, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Mais si j'ai de l'argent liquide, cette caisse, elle serait partie dans l'année. Je sais pas, il y avait combien dedans. Mais cette caisse, elle serait partie dans l'année. J'aurais fait n'importe quoi avec. Et c'est ça le problème. C'est que je ne sais pas si cette personne m'a suivi depuis quelques années, mais au début, quand j'ai emménagé chez moi, donc il y a 6, ça fera 6 ans, là, début décembre, je ne payais plus de courses. Voilà, mes parents faisaient mes courses. Je payais mon loyer. Mes parents payaient mes courses. Mais moi, je dépensais 300 à 400 euros par mois de bougies. Voilà. J'achetais 300 à 400 euros de bougies par mois. Parce que j'avais le besoin d'accumuler. Déjà, j'étais collectionneuse. J'avais le besoin de dépenser de l'argent que je n'avais pas parce que je faisais des découvertes. Donc, je faisais des découvertes de 300 euros. Et après, la banque me prenait 300 euros de frais. Donc, je commençais le mois à moins 600. J'avais mon allocation qui était à 800. Donc, j'avais 200 euros. Et c'était un cercle vicieux. Donc, j'avais plus de quoi manger. Mais en gros, je préférais dépenser l'argent pour des bougies. Je sais que je suis acheteuse compulsive. J'ai fait un énorme travail là-dessus. Hein, clairement, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Quand j'ai décidé d'arrêter d'acheter des bougies, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des bougies. Voilà. Mais ça, peu de gens me suivent depuis assez longtemps pour avoir vu cet aspect de ma personnalité. Donc voilà. Donc oui, je suis acheteuse compulsive. Pendant un moment, ça a été les animaux, hein, clairement. Quand j'ai eu ma période rate, j'avais des rats. Dès qu'il y en a un qui partait, il fallait que j'en rachète une. Voilà. Les cochons d'Inde, c'était pareil. Pour les chiens, non. Je n'ai pas pris Blue pour remplacer Cannelle. Voilà. On ne remplace pas un chien. Alors, un rongeur, ça peut se remplacer, clairement. Quoi, façon de parler. Hein. Mais bon, mes cochons d'Inde, j'avais aucune affinité avec eux. Mais pourtant, je continuais à en acheter. Voilà. Puis après, j'ai dit non, basta les cochons d'Inde, j'arrête. Après, Cannelle est partie, Blue est arrivé. On vous a dit, oui, mais tu l'as remplacé. Alors non, je n'ai pas remplacé Cannelle. Cannelle est là, dans sa petite urne, dans son petit box. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc oui, je suis acheteuse compulsive. Et voilà, donc en gros, le moindre argent liquide me ferait le dépenser. Je demanderai à aller chez Action à tous les 36 du mois. Ouais, j'irai, je demanderai à aller à Action, n'importe quoi. Voilà. Je dépenserai de l'argent continuellement. Donc le fait de demander à ma mère de garder cette boîte, pour moi, c'est reconnaître mon problème d'argent. Donc c'est en aucun cas dire est-ce des merdes avec l'argent? S'il y a un souci, je remets tout sur elle. C'est ce que certains ont dû comprendre parce que son commentaire a été beaucoup liké. Donc voilà. Donc je ne critique en aucun cas son commentaire, mais c'est juste que elle n'a pas dû comprendre ce que c'était les acheteurs compulsifs, que l'argent brûle les doigts au sens littéral, clairement. Ça brûle tellement les doigts que le but c'est qu'on n'en ait plus. Voilà, faut qu'on l'évacue pour plus en avoir. Ça c'est l'acheteuse compulsive. C'est une addiction, hein. C'est comme la clope, c'est comme l'alcool, c'est tout ça, c'est une addiction. C'est une addiction, voilà. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs soucis avec l'argent. Vous arrêtez pas de tomber, ça m'énerve. Les gens, il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs soucis avec l'argent. Chose que j'ai réussi à faire. Alors oui, ça peut paraître mesquin de ma part, ce que j'ai dit. Dans le vlog d'hier à propos de la boîte disparue pour ma mère. Mais c'était en aucun cas de la méchanceté. Ce qui me fait le plus chier, c'est surtout les 100 euros qui ont disparu. Surtout ça qui me fait chier. Donc, clairement, qu'elle ait jeté la boîte, je m'en fous. Mais
Ce que j'espère, c'est qu'elle avait récupéré l'argent qui était dedans. Au moins pour elle. Parce qu'elle avait oublié que c'était à moi, peut-être. Au moins qu'elle ait récupéré l'argent qui était dedans et qu'elle l'a gardé pour elle. Ça me va très bien. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'elle aurait acheté la boîte avec l'argent dedans. Parce que la boîte ne s'ouvre plus. Mon père avait dû la forcer. J'ouvrais la boîte autour, j'ouvrais le tiroir caisse l'année dernière au marché de Noël avec un tournevis. Voilà. Parce qu'elle avait déjà perdu les clés. Bon. Voilà. Ça, c'est des trucs comme ça. Donc, non, je ne critique en aucun cas ma mère. J'adore mes parents. J'adore ma mère. Ma mère, c'est tout pour moi. Elle fait tout pour moi, pour nous, hein, pour mes sœurs aussi, pour les petits-enfants. Elle fait tout. Mais c'est vrai que des fois. C'est pas méchant, mais elle est tête en l'air. C'est tout. Elle est tête en l'air. Elle a tendance à faire le ménage par le vide ou le rangement par le vide. Et des fois, elle réfléchit pas. Parce qu'elle va se dire, j'étais persuadée d'avoir ça. Et après, ah non, j'ai dû le jeter. Voilà. C'est ça le truc. Après, en soi, c'est pas méchant. Je critique pas. Mais voilà. Donc, je pense que mon vlog a été mal interprété pour certains. Puisque, vu le nombre de likes que ce commentaire a eu, voilà. Donc je m'excuse auprès des gens qui m'ont trouvée mesquine, égoïste et gamine. Juste que je remets les choses à sa place. Je suis acheteuse compulsive et le moindre argent brûle les doigts. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je vais allumer le fondant du jour. Donc le fondant du jour, c'est le co fondant coco citron vert. Par contre, je vais prendre un Doliprane. J'ai le crâne en vrac. Je vais aussi boire du café parce que je pense que le manque de caféine n'aide pas. Et puis on va dire que la nuit a été compliquée, hein. J'ai carrément pas dormi hier et je me suis endormie dès 5 h du matin. Et au moment où je commençais à m'endormir, Melba a aboyé. Non, il était 5 h 30, voire 6 h moins le quart. Et au moment où moi j'ai commencé à m'endormir, Melba a aboyé parce que la voisine partait sûrement travailler, puisque je crois qu'elle prend le premier train du matin ou un des premiers trains du matin. Voilà. Donc en gros, au moment où je commençais à m'endormir vers ouais, 5 h 30, 6 h moins le quart, Melba a aboyé. Donc j'ai dû reprendre un médicament. Plus léger, hein. J'ai repris un petit médicament. Ça chante. Et là, c'est pas un enfant. J'en peux plus. Donc voilà, moi ce que j'avais à dire. Donc en aucun cas, voilà, je critique ma mère, juste que voilà, c'est ce qui me fait le plus chier, c'est les 100 € qui ont disparu, c'est pas la boîte, m'en bats les couilles. Mais j'espère simplement que l'argent, elle l'ait pris pour elle en oubliant que c'était à moi et qu'elle ait jeté la boîte vide, voilà. Mais qu'elle est pas, qu'elle, si elle a acheté la boîte avec de l'argent dedans, là, ça me fait chier. C'est tout, parce qu'elle aurait oublié que la boîte était pleine. Mais après, il y a des pièces, ça s'entend, mais on ne sait jamais. Alors à mon avis, j'espère qu'elle avait vidé le coffre avant de le jeter. Et qu'elle a gardé l'argent pour elle. Ça, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit que l'argent, je le récupérerai. Mais, voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, donc en gros, juste, je remets les choses en clair. Je vais me répéter encore une fois. On va me dire, mais tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, et tu critiques les gens qui se répètent. Je suis acheteuse compulsive. Je ne peux pas avoir d'argent liquide sur moi. Chez moi, sur moi, je n'ai jamais d'argent liquide. Tout est sur ma carte. Tout est sur mes cartes bleues. Et quand il n'y a plus d'argent sur mes cartes bleues, il n'y a plus d'argent. Je ne peux en aucun cas faire de découvert sur aucune de mes cartes bleues. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je vais aller allumer le fondant du jour, faire un café. Et puis voilà, donc je vous dis à toutes. Alors tu reviens de la table pour manger, tu trouves ça? Elle s'est installée toute seule, sous la couette, sur l'oreiller. Non mais sérieux! C'est quoi ce chien? T'attends que je te lise une histoire peut-être? T'attends que maman te lise une histoire? Il y a le flash, hein, c'est pour ça qu'elle a les yeux rouges. T'attends que maman te lise une histoire? Oh mon bébé. Attention, il y a Melba qui arrive. Melba, tu veux te tenir compagnie? Mais Melba! Regarde, elle s'est installée toute seule sous la couette et c'est bordé. Je la borde un peu plus. Mais par contre, tu vas me rendre ma place. C'est la place à maman. J'ai la place à maman. Tu vas me rendre ma place. Madame la moche. Fatigue du bébé chien. Non, mais regardez, c'est vraiment installé quoi. Il est minuit 31. Pourquoi je suis installée
Allongée sur mon lit, tout simplement, parce que Blue dort sur mon ventre. Voilà. Donc j'évite de bouger pour la réveiller. Donc on a mangé. Donc ce soir c'était burger. J'ai pas encore fait la vaisselle, faut que j'aille la faire. Ouais, faut que j'aille faire la vaisselle, mais là, Blue a fait gros dodo. Mais déjà, madame, elle s'installe sous la couette. Et maintenant, elle dort sur maman. Puis elle dort bien. Elle dort bien. Et après, bah, j'ai aussi Muffin et Melba. Mon bébé. Oh, mes bébés chiens. Voilà. C'est comme si t'as un chat sur les genoux, tu bouges pas. Donc ouais, donc là, Jen est couchée. Moi, je vais faire la vaisselle, donc il faut quand même que je me lève. J'ai mangé un yaourt, parce que j'ai pas fini mon burger, mais j'ai quand même mangé un yaourt. J'ai un petit peu mal à l'estomac, donc le yaourt, ça calme tout ce qui est lactose, ça calme l'estomac. Donc j'ai mangé un petit yaourt. Et puis voilà. Donc j'ai le vlog de des addictions by N à terminer. Puis je ne sais pas ce que je vais faire. Donc le fondant de jour, c'était le fondant coco citron vert. Voilà, il a bien embaumé. Et puis voilà, il est éteint. J'ai toujours pas fait le démoulage des fondants. Faut que je le fasse. Je le ferai, je le filmerai pas. Je filmerai pas le démoulage des fondants, puis c'est pas grave. Donc je vais démouler les fondants, puis. Et puis mettre les moules à laver. Mettre les moules à laver, puis voilà. Donc voilà. Bah oui, bah là, je bouge pas, là. J'ai les trois, là. Melba, elle est collée à ma jambe. J'essaie de vous montrer. Bon, là, il y a Muffin. Ma grosse tête. Et la petite crotte. Oh, ça se réveille. Ah bah non, ça se rendort. Aïe, tu me fais mal, hein. Je peux bouger un petit peu. Ça, c'est ma fille qui bouge. Je peux bouger un petit peu, mesdames et messieurs. Ouf. Le croc de dos. Non, te rendors pas, faut que maman se lève. Oh, tu es trop mignon, trop d'amour dans ce petit chien. Mais c'est pas l'heure de dormir pour moi en fait. Mon bébé. Bah oui, mais. Bon, écoutez, faut que je me motive à aller faire la vaisselle. Donc ça veut dire réveiller ces trois monstres. Je vous dis. Il est 2h32. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai regardé Clo-Clo. Ouais, je viens de finir Clo-Clo. Petit peu la larme à l'œil. Ce film me fait toujours pleurer. Donc voilà. J'ai pas fait le démoulage des fondants. Je le ferai plus tard. Là, tout le monde fait doudou. Les chiens font doudou. Jen fait doudou. Le chat fait doudou. Je ne sais pas où est Charlie. Elle s'est collée à sa mère. Et moi, je ne suis toujours pas fatiguée. Je suis frigorifiée. Donc je vais aller fermer totalement la fenêtre et mettre du chauffage. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait la vaisselle. Il n'y avait rien à laver, hein. Il y avait juste la poêle et les couverts, puisqu'on n'a pas fini nos burgers, donc ils sont dans le frigo, dans nos assiettes. Voilà. Donc j'ai mangé mon yaourt avant de faire la vaisselle, c'est mieux. Donc voilà. Là, clairement, je vais jouer à mon jeu. Voilà, je vais me trouver un petit temps. Un film à regarder, quoi, un film. Je vais mettre un film à regarder ou n'importe quoi, juste histoire d'avoir un temps en fait que je vais jouer à mon jeu, vous savez, mon jeu de cible en fait sur Just Play. Et en fait, plus je joue longtemps, plus je gagne. Et en fait, je me dis, si je mets un film comme ça, j'ai un peu un minuteur, enfin, je vois combien de temps j'ai lancé le film et combien de temps j'ai joué. Le but, c'est d'y jouer au moins 45 minutes à 1 heure. Pour arriver à plus d'un million, et quand on a plus d'un million de points, on gagne 20 à 25 centimes. Le maximum que j'ai fait, c'est 60 centimes. Donc c'est quand même énorme. Alors oui, bien sûr, avant, tu pouvais jouer jusqu'à un million, tu gagnais 3 centimes. Là, ils ont refait leur façon de voir le jeu.
Donc plus tu joues, plus longtemps tu joues, plus tu gagnes et plus tu gagnes d'argent. Voilà. Donc limite, le compteur se remet à zéro toutes les 3 heures. Limite, si tu joues 3 heures, je ne sais pas combien tu peux gagner. Si tu joues non-stop pendant 3 heures, je ne l'ai pas fait. J'ai déjà joué 1 heure, 50 minutes, c'est déjà pas mal. Mais franchement, le jeu, t'as pas besoin d'évoluer, quoi. Tu perds, tu gagnes, on s'en fout. Voilà, c'est juste du temps à jouer. Par contre, là, t'es obligé de jouer. C'est pas du jeu à la minute. Sinon, ce serait tellement plus simple. Ouais, j'ai trouvé un petit truc. Donc là, j'ai regardé Clo-Clo. J'ai mis Da Vinci Code, le Da Vinci Code, c'est-à-dire le premier film. Sur mon PC, je l'ai mis. Donc limite, est-ce que je le regarde de nouveau ou je trouve autre chose? J'ai fini les vidéos sur YouTube, donc les Addictions by N. J'ai fini son vlog, il dure plus d'une heure. Donc c'est pour ça que je l'ai regardé en dernier. Là, je vais aller vite fait me laver aux gants. Je me suis douchée hier, donc je vais aller me vite fait laver aux gants. Voilà, pour me rafraîchir, clairement. Je suis pas sale, hein, comme je l'ai expliqué. Je fais rien de ma journée, quoi. Donc je transpire pas ni rien. Donc là, je suis plus frigorifiée, donc c'est pas en ayant froid que je vais transpirer, clairement. Là, je suis congelée. Donc ouais. Donc ouais. Là, il n'y a pas beaucoup eu de visites là ces 2 derniers jours sur le site. Je rappelle que le site c'est lesfondantsparhumainnano.com et que vous avez jusqu'au 30 novembre à 23h59 pour bénéficier de l'offre, quoi, des offres à l'occasion du Black November. Donc tout le mois de novembre, il y avait des réductions. À partir de 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. À partir de 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et à partir de 50 euros d'achat minimum, vous avez 15% de réduction. Donc c'est jusqu'au 30 novembre. Ouais, jusqu'au 30 novembre. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, n'hésitez pas à en profiter. Et moi, j'ai hâte d'être dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que j'ouvre mon calendrier de l'Avent Maison Colibri. Les chiens vont ouvrir leur calendrier de l'Avent. Et Charlie aussi. Charlie, c'est pas sûr qu'il les mange, les friandises. J'ai pris le calendrier pour la déconne. Les miens, je sais qu'ils les mangeront. Sauf Muffin, il y a une friandise dans le calendrier qu'il n'aime pas. C'est les coups de canard, il n'aime pas ça. Il n'arrive pas. Quand ça croque, il n'aime pas. Donc ça, à la rigueur, je lui donnerai autre chose pendant ce temps-là. Parce que de toute façon, c'est les trois mêmes calendriers. Donc ils auront tous les trois la même chose. Il y a trois friandises à chaque fois. Donc limite, j'aurais pu prendre un calendrier pour trois. Mais non, j'aime bien qu'ils aient chacun leur calendrier. Voilà. Donc là, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'espère que vous aurez bien compris ce que j'ai expliqué au début du vlog à propos de ma mère, voilà, et de mon actif d'acheteuse compulsive. Peut-être vous comprendrez un peu plus pourquoi c'est elle qui gardait l'argent. Voilà, parce que c'est vrai qu'on m'a traité de. En gros, voilà, on m'a pas traité, mais je pense que certaines personnes pensent la même chose que la personne qui m'a laissé le commentaire. En gros, que je suis immature et que voilà, que je critique alors que j'ai rien foutu de mon côté. Voilà. Enfin, je critique. C'est pas une critique, c'est un constat. Elle a perdu la boîte, elle l'a achetée, peu importe. C'est tout. Maintenant, c'est terminé. J'ai demandé à ma nièce de 16 ans ce qu'elle voulait pour Noël. Elle m'a dit des fondants. Donc, ma nièce de 16 ans aura des fondants. Mon autre sœur, donc pas sa mère, aura aussi des fondants. Sinon, tous les cadeaux sont faits. Il reste mon neveu. Faut que je lui prenne ça. Donc, mon neveu, c'est sur Temu qu'il faut que je lui prenne. Donc, bah, voilà. J'attends le 5 décembre pour faire la commande sur Temu. Je pense que les courses attendront aussi le 5 décembre. Je ne sais pas quand Jen aura sa paye. Et de toute façon, je ne sais, tout dépend de la paye de Jen, savoir combien je lui demande. Je ne peux pas lui taxer toute sa thune, hein, parce qu'il faut qu'elle compte ses clopes, faut qu'elle compte tout ça. Donc voilà. Donc elle paye les courses et quand elle paye, elle donne de l'argent, ça paye les courses, le loyer, tout ça. Voilà. Donc en général, quand elle donne l'argent, moi je fais les courses avec l'argent qu'elle donne. Avec l'argent qu'elle donne, je fais les courses et puis en fait, tout simplement. Après, moi, ce qui fait que l'argent qui reste, que j'ai pas sorti pour les courses, voilà, je fais le loyer, l'électricité, tout ça.
Mais en fait, c'est comme si elle payait tout, quoi. Comme si elle payait. Voilà. Bon, limite, si on devait attendre le 5 pour les courses, on attendra le 5 pour les courses. C'est pas très grave. Juste voilà. Donc, ouais. Alors, par contre, arrêtez de dire est-ce que Jen pourrait te prêter de l'argent? Je sais que vous dites ça en rigolant. Jen, elle gagne une misère. Clairement, elle travaille 9 heures semaine. Elle travaille 36 heures par mois. Elle gagne 400 euros. Voilà. Donc, je peux pas la taxer. Je peux pas la taxer. Elle a besoin d'argent pour ses clopes. Elle a besoin d'argent parfois quand elle vient pour payer l'essence. Voilà. Elle a besoin de choses comme ça. Elle a besoin pour ses clopes. Elle a besoin des choses comme ça. Il faut qu'elle paye son téléphone. Il faut qu'elle paye des trucs comme ça. Donc voilà. C'est son argent. Je ne lui demande rien. Sauf participation. Participation financière à la maison. Mais voilà. Donc non, je ne vais pas lui demander de payer mon Netflix ou je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà. Donc là, écoutez, je vais chercher un film à regarder ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Je suis un peu. J'ai mal, hein. On voit que là, ça commence à gonfler. Ouais, l'orgelet commence à se faire. Ça me fatigue. Mon corps me dit merde totale. Justement, là, ça se guérit. Je suis quasiment plus rouge. Quand j'ai fait le montage du vlog tout à l'heure, la partie de tout à l'heure, la première partie, on a l'impression que j'ai un anneau tellement je suis rouge. Là, ça va. J'ai des stars qui commencent à pousser. Voilà, normal. Mais ça, la fatigue, le mauvais sommeil, voilà, ça m'aide pas. La fatigue, le mauvais sommeil, les pensées qui commencent à devenir négatives. Voilà, comme je le rappelle, mon cerveau me prépare 2 mois à l'avance de ma période d'anniversaire. Mon cerveau me prépare psychologiquement, même si on dit n'y pense pas, mon cerveau va s'allumer, warning, warning, warning. Il me prépare. Tous les ans, depuis l'année après mon traumatisme, tous les ans, il me prépare de janvier, quoi. Janvier à mars, c'est mon traumatisme. Et 2 mois à l'avance, mon cerveau va se mettre en warning et il va, limite, t'as des panneaux clignotants dans ma tête, voilà. Route barrée, cerveau cramé, voilà, c'est ça. Et c'est ça tout le temps. Donc tous les 2 mois à l'avance, mon cerveau se prépare. Donc mon sommeil est encore plus catastrophique que d'habitude. Alors déjà que mon sommeil est catastrophique de base, depuis août, c'est pire. Depuis cannelle, c'est pire. Clairement, si je ne fais pas 3 nuits blanches par semaine, avec quelques heures de sommeil, voilà, c'est un miracle. Mon cerveau, là, commence à se préparer. Donc, warning, warning, tu vas morfler, tu vas y repenser, tu vas revivre l'histoire. Même si moi, je ne veux pas y penser, le petit poids qui est dans ma tête, lui, est là pour me le rappeler. Voilà, c'est un enfoiré. Il est là pour me rappeler que voilà. Donc, même si on me dit, arrête d'y penser, tu vis dans le passé, bah, j'aimerais bien ne pas y penser et avancer. J'aimerais bien. Mais mon cerveau, lui, ne veut pas. Mon cerveau ne veut pas avancer, ne veut pas arrêter d'y penser. Faut savoir que dans l'histoire, je suis une victime et que ces hommes ne seront jamais condamnés. Donc je dois vivre avec le fait d'être une victime et de savoir que ces hommes ne seront jamais condamnés. La justice ne m'a pas pris au sérieux. Voilà. Donc quand tu sais que ces hommes ne seront jamais condamnés et qu'ils peuvent et qu'ils doivent, quoique peut-être en 18 ans, ils ont arrêté leur connerie, j'espère pour eux, je suis sûre que moi, une fois l'histoire finie, ils ont trouvé une autre victime. Ils n'étaient pas à leur coup d'essai, clairement, ils n'étaient pas à leur coup d'essai. C'était tellement bien ficelé, cette histoire. J'ai été tellement conne de rien voir, mais c'est le principe d'un pervers narcissique et tout ce qui va avec, la manipulation, tout ça, tu ne vois rien venir, c'est écran de fumée, hein, clairement. Voilà. Mais je sais que ces hommes ne seront jamais condamnés, et c'est ça le pire. Parce que moi, je dois vivre avec le souvenir de ça. Eux m'ont oublié depuis X années, mais moi, je ne les oublie pas. Et moi, je dois vivre avec ça, sachant qu'ils ne seront jamais derrière les barreaux, ils ne paieront jamais leurs crimes.
Et voilà, c'est pour ça que je pense que je n'évolue pas, c'est que je sais que ils peuvent continuer leur magouille et ils ne seront jamais condamnés et que moi, victime, je suis là à ressasser l'histoire, à me pourrir en fait. Je m'auto-flagelle carrément parce que je sais que je suis victime, mais comme je vais pas bien, parce que je suis victime, je me sens encore plus mal d'être pas bien. Parce que je me rends encore plus victime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis une victime dans l'histoire. Je continue à y penser. Ça fera 19 ans cette histoire. Donc on va dire 18 ans. Ouais, 19 ans après, j'y pense encore. La moitié de ma vie. Donc 19 ans, j'y pense encore. Et en fait, je me dis, mais en fait, je suis con parce que... En fait, je suis pas bien parce que j'y pense, mais en fait, je me sens encore plus mal d'y penser parce que je me sens encore plus coupable de ne pas oublier. Donc en fait, je suis déjà victime, mais en fait, en gros, c'est comme une, je me mets moi-même en victime en plus. Comment expliquer? Voilà. L'histoire s'est passée, je suis une victime dans l'histoire, et en fait, mon cerveau ne voulant pas oublier, je continue à y penser. Et je me sens encore plus mal parce que ça me rend mal. Je me rends malade moi-même d'un truc dont je ne suis pas coupable. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça le problème. C'est que continuer à penser, à ressasser, et on me dit, essaye de pas oublier. Essaye d'oublier, de pas y penser. Mais comment dire que rien que fermer les yeux, je revis l'histoire, je revis les choses, rien qu'en fermant les yeux. Et ça, c'est constant depuis 18 ans. Je crois que je n'ai jamais eu un jour sans y penser. Je n'ai jamais eu un jour sans y penser, je crois. C'est comme ça. J'y pense et j'y penserai jusqu'à la fin de ma vie. Donc malheureusement, qui fait que je n'avance pas dans ma thérapie. Après, la psychiatre ne juge pas nécessaire de me voir tous les mois. Là, je la revois en décembre. Si elle ne juge pas nécessaire de me voir tous les mois, voilà. Mais... Excusez-moi. Mais en fait, voilà, c'est juste... C'est dans ma tête et c'est ça reste dans ma tête. Ça ne veut pas aller nulle part. Ça ne veut pas aller aux oubliettes. Franchement, si j'avais assisté d'Harry Potter et j'avais la pancine, les gars... Oubliette. Ou alors je me foutrais un sort d'oubliette toute seule. Hein. Clairement, c'est très compliqué. Heureusement que j'ai des clowns dans la maison. Voilà. Ça te détend. Elle est où la tête? Elle est où la tête? Elle est où la tête? Oh mon bébé. Oh mon gnon, mon gnon, mon gnon. Et oh, te mets pas la tête sous le coussin, tu as pu respirer. Ouf. Oh le coiffu. Non, c'est pas la bonne oreille. Heureusement que j'ai ces petits clowns. Bon, c'est involontaire, hein, parce que regardez-moi ce qu'ils font. Je la lâche. La lâche? Est-ce que je te lâche? Tu tombes? Tu t'endors? Mon petit clown, Melba, est sous la couette, m'a fini fait de dos. Voilà, heureusement que j'ai du divertissement avec mes chiens. Et de l'amour. Heureusement que j'ai de l'amour de mes petits chiens. Ouais, mon papa. Ben non, fais câlin à maman. Oh, tu veux pas faire canon, d'accord, casse-toi. Je te remets à ta place. Ok, bonne nuit. Je te remets sous la couette. Donc voilà. C'est les seuls moments où je suis apaisée, c'est avec mes chiens. C'est le seul moment où je suis apaisée. Quand je les regarde et que je vois leurs yeux pleins d'amour et que je suis tout pour eux. Je suis leur centre du monde. C'est ça qui me fait du bien. Oui, ma fille. T'aimes maman, toi? Maman, c'est ton amoureuse? Maman, c'est ton amoureuse, ma fille. Viens voir maman. Viens voir maman. Ma fille. Viens voir maman. Couillon, tu veux pas venir voir maman? Mon bébé, viens voir maman. Bah, viens. Ma fille. Il me regarde, mais il n'a pas envie de bouger. Oh, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, écoutez, je joue un peu à mon jeu et je vous dis à la prochaine.
Il est 4h28. J'ai fini de jouer une demi-heure. Et ben j'ai gagné. J'étais à 2,89 et je suis à 3,03. Voilà. Donc ça fait 14 centimes. Ouais. J'ai aussi écrit un texte sur Facebook par rapport justement à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous le lire. Je le retrouve. Je vais vous le lire. Alors. En 2025, cela fera 19 ans que ma vie a basculé. 19 ans, la moitié de ma vie. Et 19 ans après, je n'arrive toujours pas à oublier. Il ne se passe pas un jour sans que je n'y pense pas ou qu'un cauchemar n'est pas présent. Et le pire, c'est que je sais que je suis une victime, que j'ai mon bourreau, mais je suis aussi bourreau sur moi-même car je n'arrive pas à oublier ou passer à autre chose. Je me sens coupable que bientôt, 19 ans plus tard, je n'aille pas mieux. On a beau dire, n'y pense pas, tu vis dans le passé. J'aimerais tellement changer. Mais cela, j'aimerais tellement changer cela, mais je n'y arrive pas. C'est ancré en moi, en mon âme, dans ma chair. Pourquoi écrire cela? Car mon cerveau commence déjà à se préparer pour la période d'anniversaire. Il y a des warnings, des panneaux lumineux dans ma tête, avec écrit souffrance, ou une barre, avec écrit souffrance en cours de téléchargement. Je n'arrive pas à aller mieux et je me sens encore plus mal par ma faute, car comme j'arrive pas à avancer, je m'auto-flagelle. Je fais tout pour ne pas sombrer, pour tenir la tête hors de l'eau. J'ai ma carapace, mon masque de bonne humeur et toujours la rigolote, mais parfois j'ai besoin de craquer. Pour toutes les victimes, soyez fortes. Ils ont gagné une fois, ne les laissez pas faire pour toute votre vie. Malheureusement, c'est mon cas. Après, j'ai mis des hashtags. Donc voilà ce que j'ai écrit. Voilà, j'avais besoin que ça sorte. Donc ouais, j'ai besoin de craquer de temps en temps, j'ai besoin de m'exprimer, d'arrêter de faire des blagues pourries. Ça, c'est mon masque, hein, clairement, de faire des blagues pourries, de dire tout va bien, voilà. C'est un masque. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Pour ceux de ma génération, vous avez sûrement entendu la chanson de Sherifa Luna, Il avait les mots. C'est exactement ça. Quand j'entends cette chanson, je pleure parce que c'était ça. Il avait les mots, il m'a rendu accro. Je voyais déjà mon avenir dans ses bras, voilà, c'était ça. C'était ça. J'avais 14, non, j'avais 17 ans, il avait 28 ans. Et ça, j'oublierai jamais. J'ai encore son nom, son prénom, son visage ancré. Et le deuxième homme aussi. Parce que là, c'était toute une histoire, cette. Excusez-moi. Je viens de ronfler. Excusez-moi. Non, dit-elle dans son sommeil. Elle a respiré. Jen se réveille. Jean-Claude se réveille. D'accord. Okay. Jean-Claude y dort. Donc voilà. Donc ouais, j'avais besoin de d'évacuer un petit peu ça. Donc je vais faire le tirage au sort du fondant de demain et clôturer le vlog. Voilà. Donc je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera Popcake Myrtille. Parfait. Voilà, tirage au sort du fondant de demain fait. Ce sera donc le fondant Popcake Myrtille ou Cake Pop Myrtille, ça dépend dans quel sens on le prend. Vous savez mon amour pour la myrtille, donc c'est une fragrance US qui est pas très connue. Elle est pas très, elle est un peu boudée. Donc voilà, donc là je vais clôturer, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des smileys qui ont un rapport avec le vlog ou n'importe quoi si vous avez suivi le vlog. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en smiley? En smiley, je pourrais mettre quoi? Parce que j'avoue que le vlog n'est pas très gai. Qu'est-ce que je pourrais dire comme smiley? Parce que j'avoue que j'ai abordé le thème, bah, le thème de l'argent, toujours le thème de l'argent, mettez les billets qui s'envolent, puisque c'est le thème de les acheteuses compulsives, ou alors pour la dépression, mais alors là, je vois pas. Je vois pas. Un ange, je sais pas, n'importe quoi. Sinon, si vous avez des choses à dire sur ce vlog, n'hésitez pas. On parlera en commentaire. S'il y a des choses à parler, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai.
Donc voilà, ouais, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!